Alors, bonjour, salut tout le monde, bonne journée à mes abonnés, bonne journée à mes visiteurs, bonne journée tout le monde. Donc, voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à regarder ensemble comment on peut utiliser quelques petites commandes là, c'est des petites commandes en mode DOS. Sur l'interface commande là, de Windows, puis on pourrait facilement là, faire le contrôle d'un téléphone, d'une télévision, d'une tablette ou toute autre interface Android. C'est important, il faut que ce soit un Android, que ce soit relié par un câble USB, ou bien par Wi-Fi, ou bien par un câble RJ45, ou le câble Ethernet. Non seulement on pourra projeter tout l'écran dans notre télévision, dans notre tablette ou dans notre téléphone, sur notre écran d'ordinateur ou du laptop. En plus, on pourrait faire aussi un contrôle total du téléphone. Ben, il y a beaucoup de choses là comme contrôle. Ben, le contrôle total pour écrire avec votre clavier d'ordinateur, ça va écrire sur votre téléphone pour envoyer des SMS. Moi, par exemple, là, avec mes grands doigts là, j'accroche souvent là des lettres avec le petit clavier téléphone, puis j'étais obligé tout le temps de corriger. Donc, ça, c'est maintenant, c'est une des possibilités pour le confort. Il pourrait regarder votre Facebook sur votre ordinateur à partir de votre téléphone, ce que vous voulez là. Tout ce que vous faites sur votre téléphone, vous pourriez le projeter sur votre écran d'ordinateur et à partir de votre ordinateur aussi, contrôler votre téléphone, votre télévision Android. Pas seulement votre modulateur satellite, tout ce qui est là connecté sur votre réseau local, là, le Wi-Fi ou réseau local, là, vous avez pour y avoir le contrôle au complet. Avant de commencer, si vous le voulez bien, donc ce qu'on voit, c'est ma chaîne YouTube. Si ça vous intéresse de rester toujours à l'affût de toutes les nouvelles vidéos. Donc, je vous la montre, on la voit sur l'écran. Donc, il vous suffit juste de vous abonner. Puis, soit vous pourriez regarder à l'aise, là, tranquillement, des vidéos précédentes. Il est en construction. C'est vrai que ça fait un bout, là, j'étais occupé par le travail. Puis un genre de 2 mois et demi là, de voyage. Donc là, je suis de retour. Donc là, c'est avec plaisir. Je suis disponible de partager la technologie et toutes les connaissances du monde là, que je détiens, qui je vous offre ça gratuitement. Il vous suffit aussi juste de vous abonner gratuitement aussi. Un petit geste pour m'encourager. Et vous allez avoir le même savoir que j'ai. Donc voilà. Donc on va commencer là. Et je vais vous montrer tranquillement, vous allez voir, c'est vraiment facile parce que c'est vrai, ça existe des logiciels, des applications en plus, elles sont payantes, alors que c'est une technique tellement facile là. Quelques petits clics, quelques petits bouts de doigts, vous pourrez tout projeter exactement ce que ça va faire une application que vous payez avec de l'argent. Donc en parlant d'applications payantes, je pourrais vous montrer celle que j'ai déjà installée. Elle fait la job, mais non, c'est un petit peu corsé. On peut maintenant utiliser Visor. Donc voilà, c'est celle-là. Donc il a détecté automatiquement mon téléphone qui est branché par USB. Là, je reste de mélanger dans les idées, mais je vais essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, une fois, il faut tout d'abord, en premier lieu, là, brancher votre système Android, votre téléphone, votre tablette, ce que vous voulez, par câble USB. Au moins une première fois. Après ça,
Le système il va s'installer automatiquement sur votre Android et à partir de là vous pouvez tout contrôler par Internet, par Wi-Fi, en oubliant complètement là votre téléphone. Vous pourriez le mettre là-bas là à 10 mètres si vous voulez, puis dépendamment là de comment dire de la portée de votre Wi-Fi, vous allez avoir le contrôle au complet. Mais j'ai besoin, mettons, je vous montre cette application comme exemple. Et j'en ai aussi besoin pour vous montrer qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier sur votre téléphone avant de passer aux commandes DOS, avec votre Windows uniquement. OK, donc je clique sur ça. Donc voilà, il va installer l'APK. Voilà, j'ai mon téléphone. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, il faudrait aller en mode développeur. Pour le faire, ça dépend des téléphones. Donc, moi, c'est un Samsung. Si ma mémoire est bonne, donc, il faut aller sur paramètres. Après ça, il faut, donc, comme vous voyez là, option de mode développeur est déjà activée. Si vous ne l'avez pas activé, il faut aller ici, à propos du téléphone. Là, je risque aussi de me tromper, mais normalement, c'est dans État. Ensuite de ça. Non, désolé, c'est pas dans État. Il faut aller sur Information logicielle. Et après ça, vous venez ici dans la version du kernel. Il faut cliquer plusieurs fois. Si vous l'avez avec votre téléphone, c'est avec votre doigt là. Je pense qu'il faut faire 7 ou 14 clics là à la suite. Après ça, il va vous afficher comme quoi vous êtes en mode développeur. Moi, comme je l'ai déjà, il va m'afficher que je l'ai déjà dans ce mode-là. On va faire juste un test là pour vous le montrer. Encore une fois, je me suis trompé. C'est pas dans version kernel, mais c'est dans numéro de version par rapport à un Samsung A8. Donc, en faisant des clics, donc voilà, il me dit inutile, le mode développeur a déjà été activé. D'accord? Je suis désolé là, je me suis mélangé, je m'en souviens pas trop. Ça fait longtemps, longtemps là, que je l'avais activé. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est important de faire en dernier lieu, c'est de revenir. Où est-ce que j'avais déjà? Ah, c'est ça. Dans paramètres, aller dans mode option développeur. On clique dessus. Après ça, il faut activer débogage USB. C'est très important. Ça prend un débogage USB pour que ça fonctionne. Voilà. Vous avez d'autres options là, si ça vous tente. Mais pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qui est important, c'est de mettre en mode débogage USB. Donc toute cette patente là, c'est pour vous ramener à activer le mode développeur. Une fois que c'est activé, donc il faut faire des petites recherches là sur Internet. Ça dépend d'un téléphone à un autre là. Une fois que c'est activé, vous venez sur Options de développement pour activer le débogage USB. Donc là, je ferme tout ça. On n'a plus besoin. Après ça, on aura besoin donc, comme je l'ai dit là, après ça, on a besoin d'une plateforme là, une sorte de SDK. Pour utiliser la fonction ADB. Comme je ne me souviens pas où est-ce que j'ai téléchargé ça, donc je vais vous montrer comment.
Ça va dans propriété. Donc le site est là. Donc en suivant le tutoriel, donc vous serez capable de venir ici là. Vous avez l'adresse ici. Puis vous descendez en bas. Donc vous cliquez sur SDK Platform Tools for Windows. Après ça, vous allez télécharger un fichier zip. Donc je vais tout vous montrer ça. Un instant. Le second à télécharger, c'est celui-là. C'est SCRCPI. Ça dépend aussi à version Win32, Win64. Je vais vous le montrer aussi. C'est où? Je ne sais pas pour l'adresse là. Un instant. Donc pour les deux fichiers qu'on a besoin, la plateforme SDK pour la DB là. ADB, ça vient du mot Android Debug Bridge. Voilà, Android Debugging Bridge, ça veut dire que en français, passerelle pour le débogage de l'Android. Puis pour le second fichier, donc pour y le trouver dans SourceForge, soit si vous avez un système Windows 32, ça dépend de votre architecture, là, de votre processeur. Si tu as une architecture 32 bits, donc faut télécharger celui-là parce que lui, il va mettre des erreurs. Si vous avez un 64 bits, donc il faut télécharger celui d'en bas. Une fois que c'est fait, donc vous allez les télécharger. Donc, une fois que vous avez téléchargé les fichiers zip, donc il faudrait les dézipper pour le commun des mortels là, pour dézipper, pour juste mettre un clic droit puis faire extract tout nom du fichier puis le dossier. Il va le faire automatiquement. Moi c'est déjà fait. Donc pour la plateforme EDB, ADB, donc on a tous ces fichiers là. Nos autres, c'est cette application, la ADB, qu'on va souvent utiliser. Mais sauf que ce n'est pas une application Windows. Donc, si vous allez dans la console commande et que vous fassiez ça ADB, ça ne va pas marcher. Donc, comment on va faire pour trouver une solution? C'est que on va prendre ce dossier-là. Puis on va le rajouter comme une variable d'environnement Windows. Pour ce faire, donc il faut d'abord mettre ça, je veux dire l'adresse là, ou le répertoire, toute l'adresse au complet. Vous faites un CTRL C, on s'en va dans ce PC, propriété. Dans propriété, il faut aller dans mode paramètres avancés. Après ça, il faut aller dans variables d'environnement. On va cliquer ça. Il faut aller par la suite dans path. Path, ça veut dire le chemin. Moi, c'est déjà fait. Donc, vous allez dans modifier. Moi, je l'ai déjà ici. Donc, il faut faire nouveau. Ensuite, il faut juste faire un contrôle V. Ou bien, je ne sais pas, est-ce que ça va marcher? Non, ça ne marchera pas si vous faites un clic droit. Donc, il faut faire contrôle C pour la copie, contrôle V pour le coller. Après ça, il faut faire OK, OK, OK partout. Donc, moi, comme c'est déjà fait, je ne vais pas le refaire parce que je vais rajouter juste un path supplémentaire. Donc, jusque-là, c'est correct, normalement, c'est facile. Maintenant qu'on a montré la variable environnement pour Windows, où est-ce qu'il va trouver
l'application ADB. Il suffit de cliquer ici. Il suffit juste de faire CMD, qui est la console commande. De préférence, il faut l'ouvrir, exécuter au mode administrateur. On va dire oui. Après ça, on va faire ADB device. Voilà. Parce que mon téléphone est connecté par USB, donc il l'a détecté. Si vous n'avez pas fait là, en tant que variable d'environnement là, si vous faites juste ADB, il va vous faire une erreur. Ça n'existe pas pour Windows. La prochaine étape, c'est de prendre ce dossier là que vous avez dézippé. Il faut le dézipper, important. Après ça, il faut le mettre directement dans la partition C. Je vais vous le montrer après là pourquoi. Sinon, ça va vous prendre un chemin là très compliqué à rentrer à la main, alors qu'il suffit juste de le mettre tout à fait proche de la partition C2 points. Normalement, moi, je l'ai déjà fait, donc ok, il fallait que je le trouve. Où est-ce que je l'ai Voilà, il est là. Donc moi, je l'ai déjà mis ici. Lui, on va le garder en dernier. Je vais d'abord vous montrer comment faire là pour qu'à la fin, ça va marcher. C'est étape vraiment, étape par étape là. L'étape suivante, c'est d'activer le port Windows, parce qu'il faut donner une adresse IP et un port TCP/IP. Ça, c'est le protocole TCP/IP. Si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire des recherches là-dessus. C'est tout un cours intense là-dessus, là. Donc, pour ce faire, généralement, là, toutes les modes ADB, c'est le port 5, 5, 5, 5. 5, 4 fois. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est de mettre cette commande-là. Non. ADP TCP/IP. Je me souviens pas, je vais juste voir est-ce que il faut que je mette le port. Normalement, il faut que je mette le port 555. Voilà. Donc là, vous voyez, même mon téléphone là, il vient de le réouvrir. Juste en faisant ça, ça a marché. Et comme moi, j'ai un password, donc on voit que le dossier est vide. Mais il suffit là que je mette mon password. On va voir afficher ma carte SIM, l'intérieur et tout. Mais ce n'est pas fini là, ça c'est rien du tout. Ça c'est juste, on a ouvert le port de communication. Une fois qu'on a fait ça, il va rester une étape très importante là pour faire contrôler tout le téléphone par le Wi-Fi ou en tout cas par votre réseau local Internet. Donc je vais vous le montrer. Donc je vais enlever le câble USB. C'est bon. Donc là, je n'ai plus de contrôle sur mon téléphone via un câble. Ce que je vais faire, c'est je vais activer le réseau Wi-Fi. Et là, il va vous rester aussi à savoir votre adresse IP de votre téléphone qui se connecte sur votre réseau local. Ça, c'est facile. On s'en va. Attends, je vais le montrer. Je vais le montrer par visor. Comme ça, c'est plus pratique pour la démo. Parce que là, je devrais montrer vraiment le téléphone, mais ce n'est pas pratique de le montrer par la caméra.
Dans ce cas, on s'en va dans paramètres. Où est-ce qu'il est déjà? Non. Ici. On s'en va dans connexion. On s'en va dans le Wi-Fi. Ici, donc on voit notre adresse IP. Donc moi, dans le réseau local, ici, là, dans mon Wi-Fi, le serveur DHCP, c'est cette adresse-là. Donc j'ai mon sous-réseau, le 10.0.0.0, qui est mon sous-réseau. Le 198, c'est mon téléphone qui a cette adresse-là. Donc, il faut vraiment connaître ça pour faire la suite des commandes. Là, je vous montre comment faire là. À vous de vous pratiquer puis de le savoir sur votre téléphone, sur votre réseau, pour pouvoir aller jusqu'à la fin de la technique. Donc là, je vais débrancher mon téléphone. Je vais le montrer encore une fois. Le problème justement avec le mode application, c'est qu'il se récalcitrant là. Il ne veut plus vous lâcher là. Même quand vous débranchez votre téléphone, il vous laisse pas le faire parce qu'il veut vraiment que vous gardiez ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, il faudrait que je me connecte. Que je me connecte maintenant là à mon adresse IP. Donc ce qu'on va faire, c'est ADP connect. Après ça, il faut que je donne mon adresse IP 0.0.198. Aussi que je lui donne le port. Par quel port mon ordinateur il va affilier cette connexion là. On a dit tantôt c'est le 5.5. Enter. Hein? ADB n'est pas reconnu en tant que. Attendre. Ah oui, parce que j'ai mis ADP. Ben, c'est sûr. C'est toujours la faute à l'humain là. Donc, on a dit ADB. Donc, ADB connect. Après ça, l'adresse de mon réseau local, puis le port. Connected to 10.0.0. Donc là, il est connecté. Maintenant, là, j'avais parlé de l'autre fichier, qui est un fichier point exécutable. Le CR quelque chose, là, CRP. Je m'en souviens pas, mais vous savez de quoi je parle. Ce qu'on va faire. Nos autres, il y a une commande DOS qu'il fallait maîtriser. Là, je suis dans le système 32. Par défaut, quand on ouvre la console de commande, il s'envoie dans C:// Windows/ système 32. Alors que le dossier tantôt, je l'ai placé dans C:. Comment on fait? Il faut faire la commande CD:. Là, ils seront à Windows, il faut le faire une seconde fois. Donc là, je suis dans le C. Pour afficher tous les répertoires en mode DOS, la commande c'est de faire dir. Donc là, avec dir, il m'a affiché tous mes dossiers. Donc pour voir en mode DOS, c'est quoi? Le fichier là, comment il a écrit lui là pour ce qu'on a dit tantôt là qu'il fallait mettre alors c'est lui là, c'est le CR copy 11. Ce que vous pourriez faire, c'est avec votre souris sélectionner, faire un copier. Là, on revient en bas, on fait CD espace CTRL V. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je suis rentré dans le dossier SCR, CPI, blablabla.
Après ça, on peut faire aussi un autre dire pour voir ce dossier-là, c'est quoi les noms des fichiers qu'ils contiennent et surtout les fichiers exécutables. Un autre dire là-dessus, le voilà. Donc, les autres, c'est quelle application qu'on a besoin? C'est celui-là. CSCR, celui-là, là. Donc, on peut encore le sélectionner, faire un copier et on va faire un CD. Oups, donc là, je laisse un espace. CD, CTRL V. Là, dès que je clique là-dessus, il va m'afficher. Et regarde, donc là, vous voyez là, je n'ai pas de clé USB, c'est juste le Wi-Fi qui est connecté. Je clique dessus, Enter. Nom de répertoire non valide. Attends. Ah, un instant. Ah, c'est pas CD que je vais mettre là. Je me suis trompé. La raison, c'est parce que le CD, quelque chose là, ça se fait en DOS pour le répertoire. Mais moi, je veux activer une application. Vous le voyez là, j'ai toujours pas de câble. Donc, il faut juste faire copier-coller l'exécutable. Je fais un Enter. Ben, regardez là, voici mon téléphone. Voilà. Vous voyez? Donc, ça marche. Après ça, si je veux maintenant, je vais écrire un SMS là. Vous voyez, je peux tout faire là. Voilà, blablabla, ce que je veux. Tout, si je veux m'en aller sur Facebook. Voilà, donc j'ai Facebook, j'ai tout ce que je veux. Toujours là, mon téléphone n'est pas connecté, c'est juste avec le Wi-Fi. Maintenant, je veux voir la vidéo. Voilà. Si je veux, je sais pas, faire un commentaire. Commenter. Vous voyez là? On peut faire ce qu'on veut. C'est bon. Maintenant, je peux mettre mon téléphone où je veux. Puis j'ai la possession complète de mon téléphone avec juste ça là. Donc il faut juste les télécharger une seule fois, le rentrer dans le mode variable Windows. Après ça, c'est sûr que toujours votre téléphone, il va toujours le serveur DHCP de votre routeur Wi-Fi là, il va attribuer tout le temps presque toujours la même adresse. Si maintenant ça change l'adresse IP, il faut juste faire la même procédure là pour la reconnaître de nouveau. Faire toujours la même bidule là, les mêmes petites frappes là, et c'est bon, vous avez le contrôle de votre téléphone. Donc j'ai Facebook, quoi d'autre là? Je pourrais ce que je veux, ce que je veux. Regarde, naviguer comme je veux. Voilà, donc. Donc, vous avez vu là, depuis le début jusqu'à la fin, ça ne sert à rien que j'entre dans les détails. Là, ça vous appartient. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre téléphone. Mais la méthode y est là, ça fonctionne. Vous avez suivi là comment j'ai fait. C'est vraiment facile à reproduire. Il faut pas vous affoler pour dire ça, c'est un truc là qui est réservé aux spécialistes, aux ingénieurs. Non, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Puis vous allez avoir le contrôle. Même ma télévision là, j'ai un receiver là pour le satellite là, qui est un icon Wego. Je pourrais juste faire la même chose, puis je vais faire le contrôle de ma télévision de la même façon. Je peux même mettre ma télécommande de côté,
Je peux faire ce que je veux, changer les chaînes, passer d'un mode à un autre, ce que je veux, ce que je veux. Donc, on peut avoir le contrôle de tout ce qui se connecte là sur votre réseau Wi-Fi avec juste cette technique-là. Puis vous êtes le maître à bord là, vous êtes assis sur votre fauteuil là, confortable, vous ne bougez pas, vous avez l'œil sur votre ordinateur. Même une caméra, mettons une caméra Wi-Fi, pourrait la diriger avec cette méthode-là. L'esprit, là, il peut imaginer beaucoup de choses par la suite. Mais bon, donc voilà. Je vous remercie infiniment. Puis, comme je vous ai dit là, si ça vous tente, abonnez-vous. Dès que j'ai du temps, moi je produis du contenu technologique, du savoir, puis je partage ça avec vous avec énorme plaisir. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir. Thank you.